Bonjour à tous, on se retrouve pour un big haul Primark, mais je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai achetés chez Emma, ça ira plus vite. Donc c'était ma première fois en fait au Paris Nord, et on a donc découvert avec mon amie et ma fille la boutique Emma et Primark. Donc j'ai commencé gentiment avec Emma, donc je vais vous présenter ça vite fait. J'ai trouvé du beurre de cacahuète, donc moi avec la chrononutrition j'ai le droit d'en manger une cuillère à soupe au goûter. Et ça coûte quand même une fortune en grande surface puisque je paye ça près de 5€. Et là je l'ai trouvé à 1,75€. Donc j'ai hâte de goûter et de donner mon avis par la suite. Ensuite je me suis trouvé une jolie paire de boucles d'oreilles. Enfin moi je les trouve trop jolies. Elles sont comme ça, elles ont des formes de losanges avec des espèces de perles plates. Mais c'est donc du nacre vert, elles sont trop jolies. Et je les ai payées 3,50€. Et ensuite je me suis prise des vernis à ongles et elles sont vraiment trop beaux, c'était 2,50€ le vernis, donc j'ai commencé. Donc voilà, celui-ci c'est le 442, c'est un bleu layette, celui-ci c'est le 802, c'est un rose métallique très très pétant, un rose Barbie, là c'est le 444 et c'est un parme avec vraiment des petits reflets nacrés aussi dedans, il est trop joli. Là c'est le 807, c'est un rose tendre. Et là un jaune très pâle, un jaune pastel, c'est le 443. Donc voilà, chez Emma j'ai été très très sage. Et après je suis allée chez Primark. Et Primark, quand j'ai vu toutes vos vidéos, toutes les vidéos sur YouTube des copines, j'avais trop trop hâte d'y aller. En fait j'avais envie de trop trop de choses, j'aurais dû y aller bien avant. Mais voilà, du coup je me suis un petit peu lâchée quand même. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer les deux coussins. Donc là c'est bon, les deux pareils j'ai pris. Et ils sont à 4€ pièce. Ils sont tout doux, tout beaux. Ça fait comme si c'était des roses. Donc à mon avis mes chats vont les adorer aussi. Donc c'est ce que j'appelle moi du pilou-pilou. Enfin voilà, 4€ pièce. C'est sympa comme tout. Ensuite donc, je me suis trouvé un parapluie. Donc petit format de parapluie qui va rentrer dans le sac à main. Et il est trop joli, il y a des petits froufrous, j'ai adoré le manche en fait comme ça en forme de canne. Il y a donc la petite, voilà, le petit chapeau, la petite protection. Et lui je l'ai payé 6€. Ensuite j'ai trouvé pour les enfants, pour la douche, un bonnet de bain. Il est trop mignon. Donc ça rentre pour enfants parce que j'ai pas une grosse tête et je trouve que ouais, ça sert beaucoup. Donc voilà, le petit canard, il y avait aussi des petites vaches. Donc 1,50€ le bonnet de bain, c'est sympa comme tout. Je me coiffe quand même. Alors ensuite, je vais attraper tout en même temps. Je me suis trouvé des petites barrettes, vous savez, les petites barrettes pour faire les chignons, toutes les petites coiffures qu'Angélia nous fait sur sa chaîne. Et là, moi j'ai beaucoup de mal à les trouver en blonde. Et là, je les ai trouvées donc pour 1,50€, il y en a 50, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite ma fille donc s'est trouvée une paire de tongs avec Mickey et Minnie parce qu'elle est fan de Mickey et Minnie, et 2,50€ la paire de tongs, c'est vraiment, voilà, vraiment pas cher. Ensuite Mélanie nous avait montré dans sa vidéo, si tu passes par là je te fais des bisous, pour faire des, quand elle fait ses bains d'huile en fait elle met cette petite protection, donc je vais vous la remontrer, je le ferai certainement moins bien qu'elle, mais donc en fait ça permet de, voilà, de protéger les cheveux, on les met dessous, on tourne, on remonte. Non, j'ai l'air d'un schtroumpf, mais violet. Et on vient en fait accrocher là ici devant. Voilà. Elle l'a beaucoup mieux fait que moi. Je le reconnais. Ensuite, eh ben, j'ai pris des petites gourdes, des petits mugs, enfin des grands mugs comme ça. Donc là, c'est pour mon fils. Donc c'est Batman et c'était donc 3€ pièce. Et la contenance, c'est 450ml. Là, ça sera le mien donc pour mon café, pour mes boissons cet été. C'est sympa. En fait moi j'aime bien ça parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une abeille qui vienne se glisser dans leur verre. Donc là en fait c'est fermé, il y a la paille, c'est super pratique. Donc j'en ai pris un rose comme ça pour la plus jeune de mes filles. Pour ma fille aînée, elle a choisi donc avec un ananas à lunettes, il est trop joli. Et un petit flamant rose aussi avec. Et donc pour mon mari, eh bien, on lui a pris celui-ci, donc Star Wars. Donc voilà, 3€ pièce, ils sont jolis. Ensuite je me suis trouvé des headbands en fait tout simple, hein, tout simple. Il y en a un léopard, il y en a du marron, du beige, du noir et du crème. Et les 12, 1,50€. Ça c'est super pas cher.
Ensuite, eh bien, une charlotte pour moi pour le bain avec bien sûr un motif léopard puisque j'adore le léopard et c'est donc 2 € en fait le bonnet de bain. Ensuite encore des bandeaux, donc là j'ai trouvé deux bandeaux, un léopard et un noir et là c'était 1,50 €. Du fil dentaire, un lot de 2 à 1,20 €. Une petite brosse, enfin une brosse, voilà, c'est une brosse à picots avec des petites boules au bout. Et là derrière c'est donc un rose tendre avec comme une espèce de petite résille dorée et des petits pois noirs, je trouve c'est trop joli. J'ai également trouvé, donc là c'était, ça c'est en caisse, hein, et ça vit faire parce qu'en fait on fait la caisse un peu comme... comme dans les parcs d'attractions, hein. C'est des longs fils comme ça et ils mettent plein de choses dans des paniers et donc on se laisse tenter encore une fois. Là ce sont des voilà, donc 1,30 € au niveau du prix, ce sont 4 comment ils appellent ça, crayons rétractables. Vous savez c'est les petites mines, moi j'avais ça quand j'étais petite, c'est des petites mines, une fois qu'elles sont voilà, qu'elles sont plus à la bonne longueur, hop on vient la mettre en dessous et on a une nouvelle mine qui se représente. Donc là j'en ai pris avec la Reine des Neiges. Donc pour ma fille et j'ai trouvé pour mon fils avec les mignons. Donc voilà, au même prix, 1,30 €. Là c'était des stylos gel, donc toujours avec la Reine des Neiges à 1,30 € les 4. J'ai trouvé des masques montagne jeunesse et c'était 1,35 € le masque. Donc j'en ai pris un menthe verte et celle de la mer morte et un bleuet et cranberry. Et j'en ai trouvé un aussi au chocolat, donc j'avais envie d'essayer un masque au chocolat et il a 1 € le masque. Ensuite, pour la plus jeune de mes filles, bon, je lui ai pris des tongs, donc là c'est un lot de 2 pour 2,50 €. Elles sont toutes mignonnes. Je me suis trouvé ma petite guirlande, donc ce sont des guirlandes avec 20 LED et ce sont des petits papillons pailletés au prix de 4 €, c'est vraiment pas cher. Et ma fille s'est trouvée une paire de tennis compensés. Donc elle est déjà plus grande que moi. Donc voilà, elle est encore beaucoup plus grande que moi. Parce qu'on a au moins 3-4 cm de semelle. Et là, elles étaient à 9 €. Donc c'est vrai qu'elles sont jolies. Ensuite, un pyjama pour la deuxième de mes filles. Donc c'est un pyjama tout simple, un t-shirt. C'est un pyjama short avec un koala. Et je lui ai pris le petit short. Enfin, de toute façon, c'est l'ensemble. Le petit short comme ça en coton, enfin moi j'adore ces motifs et ces matières là en coton. C'était 6 € le pyjama, c'est vraiment pas cher. Ils sont super bien finis je trouve. Je me suis pris pour moi un petit short avec le drapeau des États-Unis, j'ai trouvé ça trop mignon. 4 € le short. Pour ma fille, une culotte, elle adore ses culottes avec un gros rebord, une culotte avec les mignons. Donc ils sont tout mignons. À 3 € la culotte. Elle s'est pris aussi pour dormir, mais du coup ça fait un peu grand, on a pris une taille M, une taille au-dessus pour dormir. Et voilà, 3 € le petit short fleuri. Il y avait une promotion sur des t-shirts, donc ils sont à 3 € en temps normal, et là ils étaient à 2 €. Donc je me suis pris celui-ci, là j'ai pris une taille, j'ai du mal avec leur taille en fait. Moi j'ai pris une taille 40, normalement je mets un 38 en haut, et là j'ai pris un 40 parce qu'en fait c'était la plus petite taille qui restait, il était à 2 € au lieu de 3. Ensuite j'ai pris celui-ci, toujours au même prix, 2 € au lieu de 3, là j'ai pris un 38, voilà, j'aime bien en fait ce genre de t-shirt avec des petits messages comme ça, c'est sympa. Un petit maillot de bain, enfin bikini léopard bien entendu, donc voilà, les 5 € le bikini, j'ai halluciné en fait. Pour la plus jeune de mes filles, j'ai pris donc un petit t-shirt comme ça. Là, il est trop beau aussi. J'adore le motif. Et ça lui a beaucoup plu puisqu'elle n'était pas là. Elle était en cours, elle. Ensuite, ben, je me suis pris un pyjama. Donc en fait, ils font ça. On peut assembler nous-mêmes et faire nos ensembles. Donc j'ai pris un débardeur blanc tout simple. Donc au prix de 3 €, j'ai pris un taille M. Et j'ai pris le petit short en coton. Comme ça, c'est tout frais, c'est tout mignon. 3 € aussi. Là, j'ai pris un taille S. Je me suis pris aussi un débardeur, donc j'aime bien ces débardeurs assez amples. Et j'ai bien aimé le motif, et en plus quand on regarde bien, il y a la moitié de mon prénom qui est inscrit, donc je dis celui-là je le prends. C'est donc à 3 €, et j'ai pris une taille 38, donc on a écrit Sun, Surf
et Sand. Donc moi c'est Sandrine mon prénom, donc du coup ça, je le prends. Ensuite, j'ai pris un pyjama pour mon mari. Alors j'ai pas trouvé des pyjamas pour garçon. C'est immense ce magasin, c'est impressionnant. Donc là j'ai trouvé un pyjama Avenger pour mon mari. Et il est trop beau. Donc mon mari c'est un grand fan des Marvel. Donc il a adoré son pyjama. Hop. Et donc le bas, donc en fait il est tout gris avec des ads Avenger un peu partout. Et celui-ci j'ai payé 13 € le pyjama. Donc le pyjama short. Après j'ai gâté mon mari. Je lui ai pris un t-shirt. Donc c'était un t-shirt aussi à 3 €. J'ai pris une taille XL. Donc voilà, c'est le motif qu'il aime bien. Je lui ai pris aussi. Alors là j'ai vu large en fait. Parce que j'ai voulu prendre un XL. Mon mari est très grand, il fait 1m83. Et on est toujours obligé de prendre un XL pour peut-être avoir une bonne longueur. Mais là en fait, comme ils sont pliés, qu'ils ont un peu cette largeur là dans le rayon, je me suis pas rendu compte, mais voilà, c'est un peu grand. Bon, il va tirer dessus. Et comme mon mari est entraîneur de basket, il aime bien les vêtements amples, donc ça fera l'affaire, je pense. Celui-ci, j'ai payé donc 10 €. Donc c'est du gris chiné. Et puis on a un gris chiné un peu plus foncé sur la poche et sur le haut de la taille. Et là, c'est retroussé, voilà, le tissu à l'envers avec un petit pli. Un autre Bermuda, celui-ci tout simple noir, je l'ai payé lui 6 €. Et là, j'avais vu que ça faisait grand, j'avais pris un taille L. J'aurais dû faire pareil pour tout. Et là, je lui ai pris un bad jogging un peu Sarouel. Donc voilà, c'est sympa, c'est assez large en fait sur l'entrejambe et ça repart en coupe droite et c'est resserré en fait au niveau des chevilles, je le trouvais trop joli, ça lui va trop bien ces couleurs. Et là j'ai pris un XL et j'ai payé ça 14 €. Et ça se termine, le dernier produit c'est donc un t-shirt de basket. Donc là c'est pareil, j'ai pris XL mais ça taille grand je trouve. C'est donc, alors j'ai payé 8 € et là c'est, bon voilà, il adore le basket, donc j'ai trouvé trop joli le coucher de soleil. Et voilà, le gars qui met un panier en fait, je trouvais sympa. Et du coup, bon bah ça se porte, je pense que c'est fait exprès que ce soit si grand parce que ça se porte large. Hein, la mode des basketteurs, c'est de porter les vêtements assez amples, assez longs, assez larges. Donc voilà, cette vidéo se termine. Alors, c'était pour moi la première fois que j'ai Primark et franchement j'ai trop adoré, j'ai hâte d'y retourner. Je pense que mon mari ça va lui faire peur quand je vais dire j'y retourne. Enfin voilà, j'étais avec ma fille, ma meilleure amie et on s'est un peu lâché en fait. Mais... Donc voilà, cette vidéo se termine, on a été coupé précédemment donc je m'en excuse. Je n'avais plus de batterie sur la batterie tout simplement de l'appareil. Donc voilà, mais moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.